Il faut aussi le savoir. Normal, moto, moto. Oumana. Moi, général, je suis un bon. Je suis un Mirage et Matalikoulou. Politique est belle. Batine la biso ça pour ça congolais dit ça pour baya to soutenir mboka. Dans la population bazo kimba. Dans la population to kimba. Il faut mo konzia mboka akanisa makasi. Batine dans des renforts ya koto. Dans la population. Ba akate. Mais, Congo est bébé.
Tala Gaza. Tala Badundenge Bazoken. Bazoken de Kaka. Ah, Basive, Baoken, Baoki Mamboka na Bango. Ah, mon Dieu. Mukumba. Bakomi Lokola, Barbana Israël. Barwanda 12 kamas de côté. Ah, Bito Dosamil. Bango Bakoti 5. Zambena Ngaï. Dan. Mesdames et messieurs, amis fidèles à Congo Live Télévision, c'est pour nous encore l'honneur de vous savoir nombreux en train de nous suivre sur Congo Live Télévision. Ce matin, nous recevons M. Moïse Hangi, qui est analyste indépendant, citoyen congolais, mais également un activiste des droits humains. M. Moïse, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Congo Live Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde. Je préfère aussi qu'on m'appelle Mousalendo parce que c'est effectivement aussi la casquette qui m'arrange le plus. Très chers compatriotes, très chers frères et sœurs congolais, de partout où vous nous recevez, je voudrais aussi vous saluer et vous préciser tout de même que nous sommes des cœurs. Je sais bien évidemment que vous nous suivez depuis les États-Unis. Vous êtes en France, à Paris, en Allemagne, nous sommes à Berlin, pourquoi pas ceux qui nous suivent au niveau, effectivement, de la Belgique, à Bruxelles. Je n'oublie aussi pas nos compatriotes qui sont ici, en Afrique, partout à travers le continent. Bonjour à tout le monde. Par là, ici, de la situation dans la ville de Goma, Monsieur Moïse Hangi, dites-nous, avant de débuter cette émission, la ville de Goma, tout ce qu'il faut noter ce matin. La ville de Goma va très bien, mais il faut préciser que l'ennemi est bien évidemment à la porte de Goma. Pas pour autant que Goma est déjà tombé, mais nous pensons que c'est important que les autorités essaient un peu, en tout cas, de redoubler plus d'efforts pour permettre à ce que cette ville touristique, la République, soit mise à l'abri. Je voudrais aussi rassurer ici que nos compatriotes Wazalendo, de partout à travers la province, reste vraiment engagé à bouter hors d'état de nuire l'ennemi de la République qui continue à semer terreur et désolation, ça et là. Déployé en République démocratique du Congo depuis le 15 décembre de l'année dernière, la SADC, par des sources indépendantes qui confirment que la SADC aurait soutenu le FRDC lors des combats qui opposaient le FRDC au Wazalendo contre la rébellion du M23 dans les territoires de Masisi. Parlons-en ici, M. Moïse, lorsque vous aviez entendu cette nouvelle sur la toile qui circule exactement, comment vous vous êtes senti? Alors, c'était un ouf de soulagement de notre part, compte tenu de la situation qui a prévalu hier dans les territoires de Masisi. Il y a eu des rudes affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23. Nous avons été aussi errés de voir les militaires de la SADC qui se sont effectivement joints à nos vaillants militaires FRDC. Voilà pourquoi nous sommes parvenus à bouter hors d'état de nuire, à frapper de manière aussi très forte les rebelles du M23. Nous osons croire que la SADC ne va vraiment pas lâcher. Elle va continuer à appuyer les FARDC et les compatriotes Wazalendo pour que nous puissions déloger les rebelles de toutes les localités qu'ils occupent dans les territoires de Masisi. C'était quelque chose que nous attendions depuis longtemps. On ne pouvait pas s'imaginer que les rebelles continuent à semer terreur et désolation presque partout dans la province et que les militaires de la SADC qui ont été déployés pour venir accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent en des touristes. Heureusement, nous avons fait pression et d'autres compatriotes à l'égard des responsables de cette mission. Voilà, déjà, ils commencent un peu à se battre. C'est donc un très bon signal. Nous encourageons les autorités congolaises à toujours faire pression aux responsables à SADC pour que désormais ces derniers fassent aussi le travail pour lequel ils ont été déployés ici à l'est de la République. Je vais sincèrement avouer qu'il y a eu d'autres compatriotes Wazalendo qui ont été très aussi actifs au cours de ces affrontements, mais la SADC est désormais intervenue à notre grande satisfaction. Ça c'est toujours dans les territoires des Masisi. Absolument. On parle ici de cette grande collaboration entre l'armée congolaise et la SADC ici aujourd'hui,
Monsieur Moïse, malgré ce silence qui était déjà observé par la SADC, continuez-vous toujours à faire confiance? Déjà qu'ils ont essayé un peu de se joindre aux forces armées de la République démocratique du Congo, on peut leur accorder le bénéfice du doute. Voyons voir, accordons-les un peu d'état aux côtés des FRDC et de jeunes Wazalendo. Peut-être que dans deux semaines, une semaine, ils peuvent effectivement nous permettre de déloger les rebelles du M23. Ce qui nous rongeait le plus, ce qui nous révoltait, c'était de voir ces militaires. Pourtant, vous le savez, leur prise en charge s'est assurée par le gouvernement congolais et tout ce qui va avec, mais il s'est transformé en des touristes, ce qui nous mettait mal à l'aise. Déjà qu'ils ont compris que nous n'avons pas besoin des touristes, nous n'avons pas besoin des observateurs, nous avons plutôt besoin des guerriers et qu'ils commencent à se battre, tant mieux. Nous espérons aussi que désormais il y aura plus de militaires de la SADC qui vont collaborer avec les rebelles du M23 comme ce fut le cas avec les militaires de l'EAC, East African Community, aussitôt déployés en République démocratique du Congo. On ne pouvait pas différencier un militaire de l'EAC et un élément M23 ou un élément de l'armée rwandaise. Mais pour la SADC, déjà qu'il commence aussi à nous aider pour frapper considérablement l'ennemi, au moins on peut espérer à quelque chose. S'il faut le contraire, on n'aura pas le choix que de les chasser sur notre territoire. Mais en attendant, accordons-les le bénéfice du doute et voyons voir ce que ça va produire. Cependant qu'il a été signalé que la SADC se trouve sur les lignes de front comme on est en train de les observer dans ces images, M. Moïse Hangi nous avions aussi observé dans les camps de l'ennemi, même sur la toile, déjà des agitations qui commencent. Ça faisait déjà longtemps, un certain temps, que les armes numériques ne se faisaient plus entendre. Absolument. Les rebelles du M23 sont en débandade. J'ai suivi effectivement la communication qui a prévalu de leur part. C'était comme pour s'agiter. Ils ont été étonnés de voir effectivement les militaires de la SADC aussi ouvrir le feu contre leur position dans les territoires de Masisi. Et ça nous arrange parce que justement c'est nous, la République démocratique du Congo, qui avons fait recours à ces troupes étrangères de la SADC, notamment les Malawites qui sont dedans, le Sud africain et consorts. Maintenant qu'ils comprennent que la situation est aussi plus grave que tout ce qui était bien avant, c'était plus simple que d'accompagner les militaires de FRDC pour essayer un peu de décourager effectivement ces comportements des rebelles du M23. Vivant dans la ville de Goma, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez encore réaffirmer que la ville de Goma ne tombera jamais? En tout cas, nous restons convaincus que cette ville touristique du pays, mon cher, ne tombera jamais. Non seulement vous le remarquez à travers la détermination qui caractérise nos voyages militaires FRDC, il y a aussi les instructeurs qui sont sur place, aussi important de les signaler. Nous avons ici, dans la province du Nord-Kivu, le Wazalendo, nous avons le FRDC, nous avons aussi les militaires de la SADC qui sont toujours sur place. Au moins, on peut espérer qu'avec la présence de toutes ces armées, avec toutes ces forces, les rebelles ne pourront vraiment pas oser essayer un peu de mettre la ville de Goma en mal. Parlant de Corneille Nangaa, sans faire sa publicité, il a été vu sur la toile qu'il commence à porter des gilets pare-balles et des casques qu'il ne portait pas auparavant. Les choses deviennent sérieuses. Corneille Nangaa, je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui. Ce geste-là, comment pouvez-vous le qualifier? Non, en fait, est-ce que vous pensez que Nangaa, contrairement à ce qui essaie un peu de les plébisciter, moi je vais vous dire que Nangaa est utilisé comme une marionnette des responsables de l'AFC et le rebelle du M23. C'est juste quelqu'un qui, non seulement est considéré comme, pour moi, c'est un enfant égaré, mais qui est utilisé par les ennemis de la paix et qui va finir très mal. Je ne pense pas qu'il ait quelque chose qui va devoir tirer derrière ce qui se passe ici à la République démocratique du Congo. Par contre, je suis convaincu qu'il sera d'un moment à l'autre maîtrisé par nos compatriotes Wazalendo et vous verrez façon on les traitera publiquement.
Les affrontements, après une journée, une dure journée des affrontements dans les territoires de Masisi. Mais avant de parler ce qui concerne ce vendredi, toujours sécurité dans l'est du pays. On ne parle plus de Chacha, c'est quoi la suite? La route est toujours fermée ou c'est ouvert? En tout cas, Chacha, jusqu'à présent, c'est toujours sous le contrôle des FRDC. Bouéremana également. Le FRDC des M23? Absolument. FRDC. Je vous parle des FRDC, c'est clair. Bouéremana, la cité aussi de Sake, là où les rebelles ont essayé un peu de larguer des bombes au cours des accrochages qui ont prévalu hier, le FRDC sont vraiment jusqu'à présent sur place. Il n'y a donc rien à craindre à ce niveau. Par là de la montée, donc aujourd'hui on peut dire qu'il y a une montée à puissance des FRDC. Alors j'espère que vous l'avez très bien dit, le militaire, le FRDC se comporte très bien. Le Ouazalendo, mêmement, déjà que la SADC aussi essaie un peu de se joindre, donc ça va déjà très bien. Vous estimez qu'il aura une réponse favorable à cela? Une suite favorable. Par là, alors, des reprises des combats ce matin dans les territoires de Masisi entre l'armée congolaise, que certains disent l'armée par excellence, ce qui va plus loin que ça, et les rebelles du 1-23. La cité de Sake a été de nouveau ciblée par un bombardement ce matin, alors ce vendredi 31 mai 2024. Ces bombes auraient été lancées depuis les collines occupées par les rebelles du 1-23, affirment des sources locales. Mais là, comment ça se fait qu'on parle de l'avancée de l'armée et que les rebelles du 1-23 se trouvent encore dans des collines autour de Sake? Alors, je disais donc que jusqu'à présent, Sake demeure sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, les rebelles qui essaient un peu de cibler cette cité à travers des bombes qu'ils larguent depuis leur position à Rubaya et ailleurs, c'est dans l'objectif de créer une psychose dans les chefs de la population qui est sur place, parce que vous savez, tout ça qui n'est pas encore, toute la population de ça qui n'a pas encore, n'est pas encore partie, il y a des compatriotes qui font preuve de la résistance, qui sont toujours sur place, mais lorsque les rebelles larguent des bombes à Sake, c'est dans l'objectif effectivement de faire en sorte que cette cité soit vidée de tous ses habitants. Mais nous sommes convaincus que les Ouazalendo qui sont sur place vont devoir, en tout cas, à rassurer la population sur place, et les forces armées à ne pas être effectivement ajoutées. Nous restons aussi convaincus que plutôt que les rebelles continuent à mettre à mal le Ouazalendo et même les militaires qui sont sur place, on va désormais assister à une riposte proportionnelle qui va permettre à nos vaillants militaires de les déloger même d'Arubaya. Je suis vraiment optimiste et je vous dis, dans un futur proche, la cité minière stratégique de Rubaya va désormais passer sous le contrôle de nos forces de défense et de sécurité. Croyez-moi. Dans un futur proche, comme vous l'avez toujours absolument évoqué, M. Moïse, c'est la plus grande question d'en savoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque les FRDC à déloger les rebelles dans ces collines? Nous sommes dans une guerre, nous ne sommes pas dans un match de football. Il faut garder votre mal à patience. Le militaire FRDC essaie un peu de faire le meilleur des mêmes. Les compatriotes Ouazalendo et la SADC qui était en train de se comporter comme une mission de touristes a compris que la République démocratique du Congo ne veut plus de ces comportements. Voilà pourquoi déjà ils ont commencé à se joindre au vaillant militaire FRDC et que donc aujourd'hui tout est sous contrôle. Gardez votre mal à patience. Dans un futur très proche, nous allons parvenir effectivement à récupérer la cité stratégique et minière de Rubaya. Parce que vous le savez, aujourd'hui, les Rwandais sont en train de se taper des millions à travers le minerai qu'ils sont en train d'exploiter de manière systématique à Rubaya et qu'ils transportent directement jusqu'à Kigali. Déjà que la RDC est plus qu'engagée à mettre un terme à ces circuits d'approvisionnement, et la SADC qui a décidé de décourager cette habitude, cet comportement des rebelles du 1-23, à l'adolescent de vouloir piller la RDC de manière illégale, on peut au moins espérer à une issue favorable. Dans les territoires de Masisi, les affrontements se poursuivent. Toujours Kitianga, quelle est la suite? Les rebelles sont encore là ou les FRDC? Alors, c'est aussi important de les signaler. La brigade numérique du Rwanda essaie un peu de manipuler l'opinion en relayant des fake news
toujours dans l'objectif de faire ajouter les gens et de faire en sorte que nous puissions nous apprendre à notre armée. Je veux vous préciser ici qu'il y a des localités qui restent jusqu'à présent sous le contrôle de FRDC. Je parle de Bweremana. Les villages de Bweremana, c'est sous le contrôle de la République démocratique du Congo en entièreté. Au-delà de Bweremana, il y a aussi ça que je vous ai parlé tantôt. Loin de ça, il y a Minova aussi qui n'est pas encore tombée. Et tout ça, c'est effectivement à travers les efforts qui sont déployés par l'armée de la République démocratique du Congo. Laissons accorder un peu d'état à nos FRDC. Au Wazalendo, je crois que dans un futur proche, même Rubaya va devoir être désormais sous le contrôle de nos vaillants militaires. Ils sont encerclés, les rebelles du M23 à Rubaya, d'autres sources indépendantes. Il faut savoir que les affrontements se déroulent, sont signalés à 10 km, à quelques kilomètres alors de En tout cas, nos vaillants militaires s'approchent de Rubaya et je puis vous rassurer qu'ils sont vraiment déterminés à bouter hors d'état de nuire l'ennemi de là. Ils sont vraiment engagés à récupérer la cité de Rubaya. Laissons l'état au temps, la suite nous en dira plus. C'est par ici, on sera en train de finir cette émission, Monsieur Moïse. On parlait ici des raids de Tabara, dont Kagame est accusé de le soutenir. Parla d'un 23, toujours même Kagame, parla de minerai de sang. À l'RDC, on parlait toujours de Kagame, mais la plus grande question vient de savoir pourquoi Kagame reste intouchable. Kagame soutient toujours plusieurs forces négatives. Il est le premier parent de FDLR, tout le monde le sait. C'est Kagame qui est derrière, effectivement. Effectivement, ce qu'il essaie un peu de brandir comme alibi, façon de se dédouaner, c'est du pire mensonge. C'est lui le patron de FDLR. Kagame, c'est lui le patron de la rébellion du M23, tout le monde le sait. Autant que le président ougandais aussi continue à appuyer les ADF, autant que Kagame est derrière toutes les forces négatives, les raids de Tabara, et même ceux qui sont en train de semer terreur et désolation dans la province du Nord Kivu, c'est Kigali qui est derrière. Et je pense qu'il doit effectivement être conséquent. Nous restons vraiment convaincus que Kagame répondra de ses actes devant la justice internationale. Tous les Congolais qui ont succombé de leurs blessures à travers cette guerre qui ravage l'est de la République, c'est en tout cas leur sens sur la tête de M. Paul Kagame. Les dames et messieurs, nous sommes juste à la fin de cette émission, mais on ne saura pas finir cette émission sans faire de message spécial à ce FRDC, à ce Wazalendo, mais pourquoi pas à la SADC. Très chers compatriotes, nous n'avons qu'une seule armée, ça s'appelle FRDC. Je vous invite personnellement à réaffirmer et à continuer de soutenir ces vaillants militaires, ces vaillants soldats. C'est avec eux que nous sommes parvenus à neutraliser et à mettre fin à ces aventuriers du M23 lorsqu'ils ont réapparu pour la première fois en 2012. Aujourd'hui, en 2024, ils essaient encore un peu de réapparaître, toujours avec l'appui du Rwanda, de M. Paul Kagame et des impérialistes. Je vous dis que c'est encore possible que nous puissions avoir un autre Mamadou, un autre Bauma qui va devoir essayer un peu d'incarner ces grands héros et qui va nous aider à faire en sorte que la question du M23 appartienne désormais au passé. Nous avons aussi des compatriotes Wazalendo qui sont en train de faire un travail aussi salutaire. Nous vous invitons à pouvoir aussi continuer à les accompagner, surtout que vous le savez, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de solde, ils font ce travail-là à travers le moyen des bords. Si vous pouvez aussi les motiver, les soutenir, ça fera quelque chose du bien. Les forces armées étrangères, de même qui sont venues en appui au FRDC, je parle ici de la SADC, je parle ici des instructeurs, commencent désormais à accompagner de manière aussi satisfaisante notre armée. On peut donc espérer à quelque chose de très positif dans un futur très proche. Mobilisons-nous en tant que des Congolais de partout où vous vous retrouvez, de partout où nous nous retrouvons. Vous êtes dans la diaspora, vous êtes à travers toute la République, partout à travers la République, dans les Haut-Katanga, à Kinshasa, à Kisangani, vous êtes au site Kivu, vous êtes au Kasaï central, pourquoi pas au Bandundu, faites aussi effectivement votre part pour que nous puissions recouvrer la totale souveraineté de l'intégrité de notre territoire, pour que nous puissions
bien évidemment, récupérer toutes les agglomérations désormais sous le contrôle des rebelles du M23. C'est par là que nous disons merci à tous ceux-là qui étaient là, scotchés sur Congo Live Télévision depuis le début. Jusqu'à la fin de cette émission, les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être là pour...